Yo tout le monde, c'est Renaud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on a vu l'avancement d'Android Nougat, la mise à jour d'Android Nougat pour la plupart des marques, genre Sony, HTC. J'ai même fait une petite liste qui est à côté de moi au moment où je vous parle. Comme aujourd'hui, on va regarder Samsung. Moi, j'avais noté que chez Samsung passerait les S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S7 et S7 Edge. Galaxy Note 5 et 7, J5, J7 2016 et Prime, et 2015 aussi, et A3, A5 2016, 2017, plus A5 2014. Dans la liste que j'ai trouvée, il mentionne pas A5 2014, mais c'est sûr. Si j'ouvre cette liste à côté, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc là, on clique sur ce... sur cette liste, j'ai découvert, oui, il y a 3 jours, donc c'est-à-dire mercredi. Samsung Turquie a dévoilé sa feuille de route pour le déploiement d'Android Nougat sur ses smartphones et tablettes. On peut ainsi avoir un aperçu des dates de déploiement de la mise à jour, produit par produit. En outre, même le J5 de 2015 est concerné. C'est-à-dire que j'aurai la mise à jour Nougat. Et que je ferai comme la mise à jour Marshmallow. Et la mise à jour Nougat, ce sera grâce UX en fait, en quelque sorte, mais amélioré. Et on va répartir par trimestre. Donc, les S6, S6 Edge et S6 Edge Plus, on vous prévient tout de suite. Vérifiez vos mises à jour. C'est comme moi l'année dernière, j'étais à fond sur Android Marshmallow. Mais par contre, ces dates, elles sont approximatives. Hein. Bon, encore, la plupart des modèles ici, ils ont qu'une seule variante. Parce que moi, j'ai le J5 qui a plusieurs variantes. J'en connais 3 de variantes seulement. Il y en a 7 ou 8. Et parce que c'est toujours le J500F qui est en premier. Et après, les autres variantes l'ont. Le J500F, j'ai eu Marshmallow en juin, moi j'ai eu Marshmallow en septembre. Donc, si j'ajoute 3 mois octobre, ce serait janvier 2018. Peut-être avant, hein, si j'ai du pot. Bon, en tout cas, je vous ferai la vidéo. Alors, d'abord, on aperçoit que les S7 et S7 Edge, la mise à jour est déjà lancée. S6 et S6 Edge, la mise à jour arrive, S6 Edge Plus aussi, A3 2016 aussi, mais attendez un peu, A3 2016 c'est mi-avril, 2 mois encore, il y a aussi l'A5 2016, 3 mois lui, après les A3 et A5 2017, ils auront fin juillet 2017, voire début août. Après, comme d'habitude, ça fait S, A, J. Après les J, c'est tout simple. Il n'y a que 4 J qui passeront. Les 2 J5 actuels, donc le J5 que j'ai et le J5 2016. Les 2 J7, le premier qui ressemble au J5 2015 et le 2016. Après, il y a le J7 Prime mais qui n'a pas été vendu chez nous. Après, les tablettes, il y a une version refaite de la Galaxy Tab 2. Il y a la Galaxy Tab S2 que je choisis. Parce que l'aide 2 elle date quand même. Et il y a la Galaxy Tab S2 toute seule. On a la Galaxy Tab S2 originale. On a la Galaxy Tab A avec un stylet 10,1 pouces. Bon, l'écran 10,1 pouces. Après, il y a Galaxy Tab A 10,1 pouces. Mais il faut regarder les références. Hein. C'est pas partout pareil. Donc, par exemple, on va taper.
Bon, on va aller sur Google pour taper. Parce que la barre, sinon, ne me dirige pas vers Google. Parfois. Elle me dirige sur d'autres moteurs. Donc, Galaxy Tab 1. 10,1 spec. Donc la T580, c'est celle qu'on a vue dans la liste, c'est à dire c'est celle qui est wifi. Ok, il n'y a pas plusieurs variantes comme le téléphone. Et comme je vous parlais du J5, c'est le bon moment pour vous le montrer. Je vous disais 1 giga et demi de RAM, 8 ou 16 gigas de mémoire interne, mais en Europe il existe qu'en 8 gigas. Et comme je vous disais, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a des variantes dual SIM du J5. Donc, cet onglet, on n'en a plus besoin. J'ai ouvert l'onglet tout à l'heure. J'ai ouvert l'onglet tout à l'heure pour vous montrer. Parce que c'est le même site que là, mais c'est juste que... Là, leur liste, ils l'ont pas trop changé. J-juillet. A5-2016, mai-2017, ce que je vous disais. A5-2014, ce que je vous disais, il va passer. Il est en test. C'est certains opérateurs. Donc, ça devrait arriver. En tant que celle... du S6 peut-être, ou DA3. Après A3 2016, on a vu mai, S6 Edge Plus, on avait vu mars, ils ont mis février, S6 et S6 Edge fin février, et S7 et S7 Edge s'est déployé. Ah, c'est ça le... Voilà ce que je vous disais, février. C'est ça que je vous disais. Les A de 2016 ne sont jamais sortis en Australie. Et les seuls A5 de la... qui est vendu en Australie, il a celui de 2014, c'est tout. Dans tous les cas, voilà. Vous savez que si vous avez un sac de 2014, vous aurez Android Nougat seulement. Et vous n'aurez plus mise à jour après. Bon, déjà, 3 mises à jour pour un milieu diable, on va pas s'en plaindre. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ciao. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter.
Bon, je vais pas t'embêter plus, hein, ciao!